Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est parti pour découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc si vous êtes abonné à la chaîne de Fab Group Modélisme, vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Et si vous n'y êtes pas, je vous conseille d'y aller. Je vous mets le lien dans la description pour aller vous y abonner. On pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo et on est parti pour découvrir ce qu'il y a dedans. Allez, on est parti pour découvrir ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est une lampe araignée qui a tout à construire. Voilà, il y a beaucoup de pièces. Je vous laisse le QR code si vous voulez aller voir. De toute façon, je vous mets des images de leur site. Allez voir, franchement, il y a énormément de choses que l'on peut monter. On va être parti à monter tout ça. Allez, on va voir combien de temps on va mettre à faire ça. On est parti pour découvrir. Alors, on se retrouve sur le site de Microbe pour découvrir ce qu'il nous propose. Donc déjà, avec la fête des pères, il y a une offre avec moins 15% en ce moment. Donc il y a la Cyberpunk Speeder Table Lampe que je vous présente aujourd'hui. Religieuse, il y a le robot Punk là que j'aime beaucoup. Regardez en détail, il est vraiment pas mal ce petit robot avec les bulles de niveau sur le côté. Ça fait pas mal. De toute façon, si on regarde tous les modèles, donc là c'est les modèles best-seller. Il y a l'astronaute aussi, qui est pas mal. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, je vous en présenterai d'autres en vidéo. De toute façon, après, quand on regarde, voilà. Il y a un petit peu tous les prix. Hein. La Time Machine aussi. Que je trouve original. Ça serait pas mal, ça pourrait être sur mon bureau d'ailleurs. Celle-là aussi, je vais sûrement vous la présenter dans quelques temps. La souris scorpion. Je trouve très originale.
Et à chaque fois, voilà, j'ai tout le détail du montage. Ça peut même tenir votre téléphone. Les dimensions. 760 grammes, 1196 pièces et 13 heures d'assemblage. Alors si on revient sur l'araignée que je vous présente aujourd'hui et qu'on regarde le détail, voilà, pièce 587, donc la moitié par rapport au scorpion, 5h30, c'est assez court je trouve. Moi là j'ai mis à peu près 6 heures, on va dire 7 heures presque, à l'assembler. Mais voilà, pour le site de Mecrobe, je vous mets le lien pour y accéder dans la description. Alors, ici ensuite, les outils. Donc déjà, c'est très bien présenté. On a une petite pince. Et un tournevis. Qui se retourne. Ah non, ok, faut appuyer. Ah, c'est pas mal ça. On a un tournevis triangulaire à l'autre bout. Et en appuyant, on peut le rallonger comme on veut. C'est vraiment bien ça. C'est bien pensé. Et ensuite, à l'intérieur, on a les pièces. En Z45, on a le globe. On va le laisser dedans pour le protéger. Regardez-moi cette tournée de pochette qu'il y a, c'est juste impressionnant. Ah la vache. Dans quoi je me suis lancé? Merci à Fab Group hein, de m'avoir donné cette idée. D'ailleurs, pensez à aller le rejoindre sur ses réseaux, je vous les mets tous dans la description. Bon allez, on va trier tout ça. Ça c'est pareil, je vais la mettre avec le globe, on n'a pas besoin pour l'instant. Regardez-moi tout ce qu'il y a en vis, etc. C'est juste impressionnant. Oh, putain. Allez, je me mets tout ça sur le côté et après on est parti pour commencer à assembler ça. Je sais pas quelle galère dans quoi Fabrice m'a lancé là, mais je sens qu'on va s'amuser. Thank you.
c'est tout pour la première partie de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce montage. En attendant, pensez à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!